Bien sûr. L'honneur est ma spécialité. Mes produits vous seront utiles. À une prochaine fois. Monseigneur, je vous en prie, j'ai un message pour vous. Qu'y a-t-il ? Un démon va me tuer si je ne vous raconte pas son histoire. Arrêtez ces bêtises. Les démons ne sont que des légendes. Pas celui-ci. Son nom est Kojiro. Et il est immortel.
Il y a des années de cela, Kojiro était un chapeau de paille. Il était tellement cruel et redoutable que même ses frères finirent par se retourner contre lui. Du crépuscule à l'aube, des dizaines de chapeaux de paille attaquèrent Kojiro. Il les tua tous. Ceux qui survécurent ce jour-là bannirent Kojiro de leur rang. Mais jamais plus ils ne le défièrent. Les esprits de la mort furent si surpris par Kojiro qu'ils bénirent son armure et lui firent cadeau d'un bras infatigable. Plus qu'un simple homme, il est devenu un guerrier de légende. Lorsque les chapeaux de paille ont trahi notre peuple en s'alliant aux Mongols, ils ont repris Kojiro dans leur rang, comme un frère. 5 assassins des chapeaux de paille se sont unis à Kojiro et ont fait le serment de vous tuer. Kojiro veut me faire comprendre qu'il me traque. Je serai sur mes gardes. C'est inutile, monseigneur. Kojiro vous fera l'honneur de vous affronter en duel. Mais pour obtenir ce privilège, vous devrez d'abord vaincre les 5 chapeaux de paille qui se sont alliés à lui. Quelle arrogance! Où sont-ils? Ils attendent dispersés dans l'île. Ils feront en sorte que vous les trouviez. Dites à Kojiro que j'ai bien reçu son message et que je relève son défi. Je pense que vous seul en êtes capable. Soyez prudent, monseigneur. Bienvenue. Puis-je vous offrir du thé? Vous voulez boire du thé avec moi? Non, pas vraiment. Je demande simplement par politesse. Mais j'ai besoin de votre aide. Une carte m'a été dérobée. Je veux la récupérer. Kenji ne tarit pas d'éloges. Je ne commettrai aucun crime pour vous, Dame Sanjo. Même si Kenji et vous êtes amis. Pour tout vous dire, cette carte indique où se trouvent les réserves de nourriture qui me permettent de nourrir les habitants de Toyotama. Vous voulez donc que je retrouve le voleur? Oh, je sais où il est. Il se cache dans une maison de jeu, près du puits des Trois Chemins. Je vous demande simplement de récupérer la carte. Je verrai ce que je peux faire, mais si je découvre que vous mentez... Seigneur Sakai, je suis l'honnêteté incarnée. Demandez donc au dernier homme à en avoir douté. Vous trouverez sa tête couverte de mouches à l'arrière. Soyez prudent. De nombreuses personnes connaissent le voleur et savent à quel point je suis avide de récupérer la carte. Je ne l'ai jamais dit à personne. Et si je vous montrais mes produits? Me rouler en boule par terre. J'aurais sûrement fait la même chose.
Jin, par ici, vite. Masako. Vous êtes là depuis longtemps ? Pas suffisamment, je le crains. Vous avez besoin de repos. Ce dont j'ai besoin, c'est de retrouver l'assassin de ma famille. J'en serai un peu plus proche quand j'aurai attrapé cette vipère d'Omura. L'un des conspirateurs de la liste. Il a fourni les armes qui ont servi à massacrer ma famille. Alors nous le trouverons. Et nous le ferons parler. Allons nous mettre à couvert. Suis-moi. Omura a supposé se rendre à Umugi. Mais j'ignore quand exactement. Alors je passe mon temps dehors, à le guetter. Ici, on peut surveiller les environs. Vous savez à quoi il ressemble ? Je ne suis pas sûre. Voilà 20 ans que je ne l'ai pas revu. Vous le connaissez ? C'était l'un des fournisseurs du clan. Mais il nous a volés, et a ensuite accusé mon époux de ne pas assez le payer. Disait-il vrai ? Bien sûr que non. Maintenant, surveille la route, et installe-toi confortablement. Nous serons sûrement là un moment. Masako, là, des hommes sur le sentier. Il lui ressemble tellement. On dirait Omura, il y a 20 ans. Sûrement ses fils. Sont-ils complices, tous les deux ? Je m'occupe du canyon. Il y a des gens à qui je dois parler. Tu veux encore te vanter ? Pardon, tu disais ? Rien du tout. On se retrouve à Umugi. Ils se séparent. Nous pourrions apprendre des choses. Suivons-les. Je prends celui de gauche, toi celui de droite. Le canyon est étroit. Reste en hauteur pour ne pas être vu. Il se croit trop bien pour m'aider à faire la seule poussine. Mais quand je serai riche, il m'aidera volontiers à dépenser ma fortune. Hein ? Mon frère ! Si tu es là, montre-toi ! Oh, j'ai les pieds mouillés. Ces routes sont horribles. Kipe dit que je devrais avoir honte. Mais il a oublié ce qu'Adachi nous a fait. Ce qu'il t'a fait. Et demain matin, j'aurai suffisamment d'argent pour... Il y a quelqu'un ? Ils sécheront jamais. La première chose que je ferai une fois riche, c'est refaire ces routes.
ces oignons marinés il y a tellement longtemps. Je vais venir mon frère. Inutile. Qu'est-ce qu'il croit? On est à Umugi. Je dois rejoindre Masako. Jin, par ici. L'homme que j'ai suivi est lié au meurtre. Il a parlé de vengeance contre le clan Adachi. Dans ce cas, qu'attendons-nous? Il s'apprête à rencontrer l'homme qui l'a recruté. L'homme qui a commandité le meurtre de ma famille. Rapprochons-nous pour entendre leur discussion. Par ici. Mal. Adachi a causé du tort à Père. Notre famille a tout perdu. Père s'est mis à boire. Il a volé Adachi. Et Père a toujours été un ivrogne. Écoute, si on suit le plan, tu auras assez d'argent pour fuir. Toi et ta famille, vous pourrez partir loin des Mongols. Allez, qu'on en finisse. Ils s'en vont. Suivons-les. Baisse-toi pour ne pas qu'ils nous voient. Je suis sûr qu'ils sont là pour la forme, c'est tout. C'est un seigneur, après tout. Ces imbéciles vont tomber dans un piège. Attendons un peu de voir ce qui se passe. J'ai un mauvais pressentiment. Laisse-moi lui parler. J'espère qu'on ne vous a pas fait attendre. Lequel de vous est Omura? Et c'est moi. Vous avez de quoi payer? Bien sûr. Non, Omura est à moi. Ah!
l'imbécile est mort. Je l'ai entendu parler d'une lettre. Il l'a peut-être encore sur lui. Je vais regarder. Je vais fouiller les bandits. Je trouverai peut-être quelque chose. Une lettre. Ce message porte le même emblème que sur la liste trouvée à l'auberge. C'était un piège. Celui qui a fait tuer votre famille a attiré Omura ici pour le faire taire. Ce lâche essaie de couvrir ses traces. D'après ce message, il a désespérément besoin d'argent. Son clan ne doit pas être riche. Si tant est qu'il est un clan. Ma famille n'aurait pas été tuée par un samouraï. Il veut peut-être le devenir et fonder son clan. Et il dépouille les morts du clan Adachi pour le financer. Peu de personnes afficheraient une telle ambition. C'est un indice qui limite mes recherches. D'abord, reposez-vous. Votre chasse vous épuise. Tant que je n'aurai pas trouvé le coupable, je ne prendrai aucun repos. L'un des assassins de ma famille vit en toute impunité à Kubara. Rejoins-moi là-bas dès que possible.
Un jour, on se baladera juste pour le plaisir. Voici le puits des Trois Chemins. Mais où se trouve la maison de jeu ? Voyons où ça mène. Il s'agit sûrement de la maison de jeu. Elle semble abandonnée. Eh oh ! La carte est à moi. Fichez le camp ! Je suis Jin Sakai. Ouvrez ! Et moi, je suis Amaterasu, divinité du soleil. Non ! Il doit y avoir une autre entrée. Amaterasu, je présume. Où est la carte ? Pardonnez-moi, monseigneur. Je ne l'ai pas. Des renins m'ont forcé à faire ça. Ils voulaient que je vous attire à l'intérieur. Un piège ? Ils savent que Dame Sanjo vous envoie. Ils veulent de l'argent en échange de la carte. Samouraï ! Sortez ! J'ai un marché à vous proposer. Restez ici. Bien, monseigneur. On raconte que vous cherchez la carte de Dame Sanjo. Je suis prêt à vous la vendre, si vous y mettez le prix. Je ne traite pas avec les voleurs. Peut-être, mais vous vous mettez à leur service. Remettez-moi la carte, ou je vous la reprendrai. On raconte aussi que vous n'avez pas le sens de l'humour. Nous sommes trop nombreux. Vous voulez la carte ? Alors payez. Je ne me répéterai pas. Tuez-le ! Ah !
avoir la carte sur lui. La voilà. Partez. Merci, monseigneur. Thank you.
J'espère que tu te bats mieux que tu me parles. Les temps sont durs pour les affaires, monseigneur. J'ai votre carte. J'espère que cela ne vous a pas trop dérangé. Non, puisqu'il s'agit de nourrir le peuple de Toyotama. C'est bien là votre intention, n'est-ce pas, Dame Sanjo ? Je vous l'ai dit. Je suis ici chez moi, et ce peuple est le mien. Il est affamé. Je suis en mesure de le nourrir, et je le ferai. Dans ce cas, je vous laisse. Merci, Seigneur Sakai. Il y a quelque chose là-bas. Il ne m'échappera pas!
Tu as entendu? Ne laisse pas m'échapper. Tiens! Tuez ce samouraï! On va faire le plein de nos moyens! Ouvrez l'œil! Tu apportes enfin des nouvelles? Oui, Seigneur Shimura. J'ai trouvé Goro dans la crique à Umugi. Était-il ivre? Il ne l'est plus. Il honorera sa dette envers vous et se rendra sur la grande île. Goro manque de raffinement, mais nul ne connaît la mer mieux que lui.
Ces hommes porteront votre message ? Absolument. Kotaro et Jiro sont loyaux et courageux. Ils rejoindront le Shogun pour demander des renforts. Goro est paré. Il nous retrouvera près d'ici pour nous mener au bateau. Nous chevaucherons quand le moment sera venu. Pour le moment, prépare-toi au combat. Oui, mon oncle. C'est l'heure. Allons-y, en selle. Nous sommes prêts, monseigneur. Ouvrez l'œil. Trouvons notre contrebandier. De toute évidence, tu veux me poser une question. Je t'écoute. Comment avez-vous rencontré Goro ? Je l'ai surpris vendant de la soie chinoise interdite par le Shogun. J'ai brûlé sa marchandise et l'ai laissé partir. Vous auriez pu le faire fouetter, mais vous avez vu une autre voie. Un marin expérimenté peut s'adapter. Les Mongols ont de nombreux bateaux. Goro pourra-t-il leur échapper ? Il n'a pas le choix. Que ferons-nous s'ils nous atteignent, monseigneur ? Ne crains pas la mort, Kotaro. Sois courageux. Et n'oublie jamais ceux pour qui tu te bats. Seigneur Shimura ! Goro, où se trouve ton bateau ? Par ici. Je suis heureux de vous revoir, monseigneur. Je te remercie d'honorer ta tête envers moi. Je vais faire de mon mieux. Mais j'ai bien peur que les Mongols me coulent avant que j'atteigne le large. Beaucoup trop de regards sont braqués sur ces eaux. Peut-être pouvons-nous détourner leur attention. Pied à terre. Nous allons marcher. Le fort de Mitodake. Mon père a pris cette forteresse au clan Yarikawa. Elle est aux mains des Mongols. Imagine donc leur surprise quand deux samouraïs la leur reprendront. Si nous faisons assez de bruit dans le fort... L'équipage mongol sera concentré sur lui et non sur l'eau. Goro, nous allons attirer l'attention de l'ennemi sur le fort. Lève l'ancre au son des combats. Monseigneur, vous serez tué. Occupe-toi de délivrer mon message. Les chevaux pourraient nous trahir. Nous irons à pied. Seigneur Sakai.